Bonjour, vous êtes les bienvenus dans notre vidéo de formation client Flipdish 101, comment gérer vos commandes en ligne. Je m'appelle Sébastien, je suis le directeur pour la France ici chez Flipdish et je vais vous présenter cette vidéo de formation aujourd'hui. Si vous regardez la description de cette vidéo ci-dessous, vous verrez que j'ai décomposé le contenu en chapitres pour vous. Cela signifie que vous pouvez accéder à n'importe quel sujet de la vidéo quand vous le souhaitez et revenir et regarder à nouveau des sujets spécifiques si vous avez besoin d'un rappel. Ok, cela étant expliqué, allons-y. Mon objectif aujourd'hui sera donc de vous montrer comment gérer vos commandes en ligne via Flipdish. Les sujets que nous aborderons aujourd'hui seront votre flux de commandes clients. Et je vais vous montrer comment vos clients passent commande via votre système de commande Flipdish afin que vous puissiez répondre à toutes leurs questions. Lorsque vous savez comment ils ont commandé, c'est beaucoup plus facile. Nous examinerons également comment accepter vos commandes en ligne. Je vous expliquerai les différentes manières d'accepter vos commandes en ligne avec Flipdish pour vous donner une idée de ce qui est possible. Nous examinerons ensuite le portail Flipdish. Je vais vous montrer comment modifier les paramètres de votre boutique et apporter des modifications qui vous aideront à gérer vos commandes via votre portail Flipdish. Cela inclut comment vous connecter, naviguer sur la page d'accueil, afficher vos commandes en temps réel, traiter les remboursements, modifier les heures d'ouverture et modifier temporairement les heures d'ouverture de vos magasins, peut-être pour une raison comme un jour férié. Nous travaillerons ensemble sur quelques changements de menu simples. J'expliquerai ensuite comment vous pouvez modifier, ajouter, supprimer et désactiver des zones de livraison. Et enfin, nous examinerons ensemble vos rapports de fin de journée. Nous examinerons ensuite vos paiements Flipdish. Cela vous montrera comment vos clients peuvent payer lorsqu'ils commandent via votre système de commande en ligne Flipdish. Et également comment Flipdish vous paie pour les commandes en ligne que vous recevez. Je vais vous guider à travers une liste de contrôle de la réussite client pour vous assurer que vous recevez des commandes en ligne dès le premier jour où vous mettez en ligne Flipdish. Je vais ensuite expliquer comment vous pouvez obtenir de l'aide ou poser des questions à Flipdish si vous en avez, à la fois via vos ressources en libre service, telles que notre helpdesk et nos vidéos Flipdish, ou auprès de nos équipes d'assistance clients ou de menus dédiés. Si vous avez des questions sur l'un des éléments couverts, à la fin de la session, je vous fournirai les coordonnées. Et nous répondrons à vos questions dans les plus brefs délais. Alors, commençons. Voyons d'abord comment vos clients passeront leurs commandes via votre plateforme propulsée par Flipdish. Vos clients peuvent passer commande de trois façons. 1. Nous avons construit un site web. 2. Vous aviez déjà votre site web et vous avez ajouté une option de commande en ligne qui est alimentée par Flipdish. 3. Nous avons créé une application. Pour la plupart de nos clients, ils auraient une combinaison d'un site web et d'une application, car cela donne à vos clients le choix de la façon dont ils souhaitent commander. Alors, laissez-moi vous montrer à quel point il est facile pour l'un de vos clients de passer une commande via votre plateforme alimentée par Flipdish. Je vais utiliser pizzacafé.net pour cette démonstration. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, il y a différentes options d'onglets. Je vais cliquer sur « Commander en ligne ». J'ai maintenant deux options que je peux choisir. Livraison ou vente à emporter. Je vais maintenant choisir la vente à emporter. Comme vous pouvez le voir, ce restaurant propose plusieurs établissements. Ce qui donne au client la liberté de choisir le meilleur établissement pour lui. Je choisirai le Pizza Café France. Maintenant que je suis dans le menu en ligne, je peux voir
une variété de sélections de menus différentes, ainsi que les différents éléments de menus individuels que je peux choisir. Comme il s'agit d'une pizzeria, je vais choisir une pizza classique, Margherita, en cliquant sur la sélection. Je suis maintenant invité à personnaliser ma commande. Je peux sélectionner la taille, puis ajouter des garnitures supplémentaires. En bas de page, je peux cliquer sur « Suivant », ce qui me montrera un résumé de ce que je viens de sélectionner. Maintenant, je peux cliquer sur « Ajouter au panier ». Maintenant, sur le côté droit, je peux voir mon panier avec un récapitulatif des prix et la possibilité d'ajouter plus du même article ou de le supprimer complètement. Et je vais continuer en cliquant sur le paiement, finaliser ma commande. Comme il s'agit de ma première commande, le système vous demandera de saisir votre numéro de portable pour le vérifier. Nous utilisons des numéros de téléphone mobile plutôt que de demander à quelqu'un de répondre à plusieurs questions pour créer un compte, car c'est beaucoup plus facile et plus rapide pour le client. Les clients sont également beaucoup plus réactifs à un SMS qu'à un email. Comme il s'agit de vérifier un numéro de mobile spécifique, vous pouvez également avoir la certitude absolue qu'il s'agit d'une commande réelle et que vous aurez les coordonnées du client si vous en avez besoin à l'avenir. Je vais entrer mon numéro de téléphone et cliquer sur « Soumettre votre numéro de téléphone ». Maintenant, un code à 4 chiffres a été envoyé à mon téléphone portable et je vais le saisir pour continuer. Si, pour une raison quelconque, je ne reçois pas le code après 30 secondes, j'ai également la possibilité de demander le code via un appel téléphonique. Donc le code vient d'arriver et je vais le saisir pour continuer. Parfait. Maintenant, j'ai créé mon compte de commande en ligne. Donc, comme vous l'avez vu, c'était super simple et rapide. J'ai dû entrer mon numéro de portable et mon code, car c'était ma première commande. Mais, à l'avenir, je pourrais sauter cette étape, car le système se souviendra automatiquement de moi. Ça, c'est bon pour vous, car cela permet à vos clients de passer fréquemment des commandes chez vous. Maintenant, je suis sur la caisse. J'ai juste besoin de choisir une heure de collecte. Je vais choisir dès que possible. Ci-dessous, je peux vérifier les détails de ma commande et voir une réduction applicable. Et vous pouvez voir qu'il est possible d'appliquer une réduction automatique ou avec un code. Si vous n'êtes pas configuré avec cette fonctionnalité automatique actuellement, contactez-nous à l'aide de help@flipdish.com pour mettre en place, par exemple, un rabais de première commande, car il peut inciter les clients à commander avec vous en ligne. Vous verrez que j'ai été invité à entrer mon nom. Ensuite, je choisis comment je veux payer. Ici, je paierai en espèces. Quand je choisirai l'argent en espèces, le bouton orange en bas de la page se met à jour pour dire « Payer en espèces », afin que le client puisse voir clairement le mode de paiement choisi. Si je change pour payer avec carte, vous pouvez voir que le rectangle orange change pour payer avec carte. Cela rend le mode de paiement extrêmement clair pour vos clients, afin qu'il n'y ait pas de surprise indésirable au moment de la récupération de la commande. Maintenant, je touche simplement payer en espèces, je clique et ma commande sera passée. J'ai maintenant passé ma commande et je suis sur l'écran de confirmation de commande. Il me remercie d'avoir passé ma commande, confirme que la commande a été passée et me confirme dans quel magasin. Cela peut être important si vous avez plusieurs établissements. Vous verrez également un compte à rebours en dessous. Compte à rebours de 15 secondes. Cela donne au client 15 secondes pour changer d'avis et modifier ou annuler la commande. Les clients l'utilisent souvent lorsqu'ils oublient d'ajouter quelque chose à leur commande, par exemple une sauce ou une boisson.
Ils peuvent cliquer sur « Annuler la commande », revenir en arrière et ajouter la boisson et procéder à nouveau à la caisse facilement. Une fois le compte à rebours écoulé, le client ne peut plus annuler sa commande. La seule façon pour eux d'annuler leur commande est de contacter votre magasin. Super. Alors maintenant, la commande est en route vers votre magasin et tout ce que vous avez à faire est de l'accepter. Une fois accepté, laissez-moi vous montrer ce que votre client recevra. Au milieu, vous verrez une copie du SMS de confirmation que le client reçoit. Cela commence par le numéro de commande. Ceci est très important car vos clients doivent vous donner ce numéro de commande s'ils ont une question sur leur commande. Vous en aurez également besoin si vous appelez notre ligne d'assistance clientèle, car ils ont besoin de connaître ce numéro de commande pour pouvoir vous aider. Sans numéro de commande ou numéro de téléphone client, notre équipe de support sera limitée dans la façon dont elle peut vous aider. Ci-dessous, vous pourrez voir les messages confirmant le type de commande. Vous pourrez voir ici, j'ai demandé pour la vente à emporter. Ensuite, il confirmera dans quel magasin ils ont commandé. Ceci est important lorsque vous pourriez avoir plus d'un magasin. Il inclura également votre numéro de magasin que nous avons dans nos dossiers, ce qui est utile s'ils doivent vous appeler pour suivre la commande. Par exemple, s'ils ont oublié de vous donner des instructions spécifiques lors de la commande. Lorsque vous avez accepté la commande en magasin, vous aurez choisi un prêt à temps. Dans ce cas, la commande a été acceptée pour être prête à 12h30. Le message texte indique donc que votre commande sera prête à ce moment-là. Cela vous aide à définir les attentes de vos clients sur le moment où ils doivent s'attendre à ce que leur commande soit prête. Le message texte confirmera également comment cette commande a été payée. Dans ce cas, j'ai payé par carte, c'est-à-dire que la commande est payée. Okay. Ici, comme ce magasin propose un programme de fidélisation de la clientèle, il permettra au client de savoir où il en est dans son parcours de fidélisation. Cela aide vraiment les clients à commander plus fréquemment chez vous. Contactez help@flipdigit.com si vous souhaitez que nous le configurions pour vous. Si vos clients ont déjà une question sur une commande, la première chose à leur demander est de vous montrer ce SMS, car il contient tous ces détails vraiment importants. Comme je l'ai mentionné, vous aurez également besoin de ce numéro de commande, en particulier si vous appelez notre équipe de support client. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai également inclus un exemple de confirmation qu'un client recevrait dans les rares cas où vous pourriez avoir besoin de refuser sa commande. Il commence également par le numéro de commande, puis il inclura la raison du rejet en fonction de la raison que vous avez donnée lorsque vous avez rejeté la commande en magasin, et encourage les clients à résoudre ce problème et à réessayer. Voyons ensuite les différentes manières d'accepter vos commandes en ligne en magasin. Sur le côté gauche, vous pouvez voir le terminal Flipdish. Il s'agit d'une machine que vous pouvez avoir en magasin et vous pouvez l'utiliser pour accepter et imprimer vos commandes. Je le décris normalement comme une machine TPE pour accepter les cartes de crédit de style Android. C'est très pratique car il existe des fonctionnalités de notre portail Flipdish que vous pourrez utiliser directement à partir du terminal. La plus populaire serait l'impression de votre rapport de fin de journée. Afficher et rembourser les commandes aussi ou fermer temporairement votre boutique. À droite de cela, vous verrez notre application Flipdish Terminal. Vous pouvez télécharger l'application de Terminal Flipdish sur un appareil que vous avez en magasin et l'utiliser pour accepter vos commandes. Par exemple, vous pouvez le télécharger sur une tablette à laquelle vous avez accès dans votre boutique. Dans le coin supérieur droit, vous verrez la vue en direct du portail. Dans le portail Flipdish, vous pouvez consulter et accepter vos commandes en temps réel. C'est vraiment utile pour vous si
Par exemple, vous utilisez habituellement un terminal, mais il est cassé. Au lieu de vous déconnecter, vous pouvez l'utiliser à la place dans la vue en direct du portail, ce qui signifie que vous ne risquez pas de manquer d'accepter vos commandes en ligne. Dans le coin inférieur droit, vous verrez l'intégration pour votre caisse électronique. L'intégration de points de vente ou de caisse est l'endroit où vous pouvez faire entrer vos commandes en ligne directement dans vos caisses si vous utilisez un système où Flipdish a une intégration active. Beaucoup de magasins aiment vraiment cela car cela fait gagner du temps au personnel en saisissant manuellement les commandes dans la caisse. Cela peut souvent économiser jusqu'à 2 ou 3 minutes par commande et réduit le risque d'erreur humaine. Veuillez nous contacter si vous pensez que cela vous intéresse. Examinons donc votre portail Flipdish. Il s'agit de votre console d'administration pour gérer tout ce qui concerne votre boutique et je vais vous présenter certaines des bases que vous devez connaître. D'abord, l'adresse web de votre portail Flipdish est très simple. C'est juste portal.flipdish.com. Je recommande toujours aux gens de marquer ou d'enregistrer ce lien sur votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable lorsque vous vous connectez, ou si vous l'ouvrez sur votre mobile, utilisez l'option où vous pouvez l'enregistrer sur votre écran d'accueil et s'affichera ensuite comme une application. De cette façon, vous aurez un accès rapide et facile plutôt que d'avoir à vous souvenir et saisir l'URL à chaque fois que vous souhaitez y accéder. La première étape consiste à saisir votre adresse email. Il s'agirait donc de l'adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit ou que vous avez donné à votre représentant commercial. Si vous n'êtes pas sûr, pas de souci, n'hésitez pas à nous envoyer un email à help@flipdish.com et nous pourrons le configurer pour vous. Génial. Je vais donc saisir une adresse email pour un compte que nous avons déjà configuré, puis cliquer sur « Suivant ». Ensuite, il me demandera mon mot de passe. Si vous n'êtes pas sûr de votre mot de passe, pas de problème. Cliquez simplement sur « mot de passe oublié » et le système vous enverra un email avec une réinitialisation de mot de passe. Ici, j'ai entré mon mot de passe avant pour qu'il s'en souvienne, donc je clique simplement sur « connexion ». Maintenant, je suis sur le portail Flipdish, donc quelque chose à noter. Dans le coin supérieur droit, il y a l'accès à mon compte. Je peux l'utiliser pour modifier des éléments, tels que la langue ou mon fuseau horaire. Pour toute personne ne résidant pas en Irlande ou au Royaume-Uni, je recommanderais d'aller ici pour vérifier que votre langue et votre fuseau horaire sont correctement configurés. Vous pouvez également vous déconnecter d'ici. Sur le côté gauche, il y a tous les onglets vers lesquels vous pouvez naviguer. Et vous pouvez toujours cliquer sur « Accueil » pour accéder à la page d'accueil à tout moment. Vous verrez quelques invitations en haut de l'écran. Ce sont des messages importants sur lesquels nous pourrions vouloir attirer votre attention. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité ou une action à entreprendre. Par exemple, entrer vos coordonnées bancaires. Sur l'écran principal, vous verrez votre graphique des ventes pour les 7 derniers jours. La ligne bleue continue représente vos ventes des 7 derniers jours. Et la ligne pointillée correspond à la précédente période, à vos ventes des 7 jours précédents. Dans un monde idéal, vous recherchez à ce que votre ligne bleue continue soit toujours au-dessus de votre ligne pointillée, car cela indiquera que vos ventes ont augmenté depuis la semaine précédente. Vous remarquerez également quelques raccourcis sous ce graphique des ventes. Nos clients nous disent que les choses les plus courantes à faire sont de visualiser les commandes, de fermer leur magasin et de modifier leur menu. Nous les configurons donc comme des raccourcis à partir de la page d'accueil afin que vous puissiez y accéder rapidement et facilement. Dans le coin supérieur droit du graphique, vous remarquerez également une roue dentée qui vous donnera accès à tous les paramètres de votre boutique. Voyons donc comment vous visualisez vos commandes sur votre portail Flipdish, juste en dessous du graphique sur l'écran d'accueil. Cliquez sur « Commandes ». Sur cet écran, vous pouvez voir toutes les commandes de votre boutique.
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez voir qu'ils sont codés par couleur. Violet signifie que la commande est en attente et pas encore acceptée. Le vert est une commande acceptée. Le rouge est une commande rejetée. Vous remarquerez également que les icônes sont différentes. Une commande de livraison a une icône de véhicule à côté. Une commande de vente à emporter a une icône de bâtiment à côté. Cela permet de voir très facilement lesquels sont livrés et lesquels sont à emporter. Pour ceux d'entre vous qui possèdent plusieurs magasins, vous pouvez consulter les commandes pour tous les magasins ou simplement pour celles spécifiquement où vous avez plus d'un établissement. Filtrez simplement en option magasin sur la droite. Ainsi, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir un magasin ou tous les magasins ou une combinaison de magasins en fonction de ce que vous souhaitez regarder. Donc, une question courante que nous recevons de nos clients est de savoir comment rechercher une commande spécifique. Peut-être que votre client demande ce qu'il a commandé et que vous souhaitez revérifier. Ou peut-être ont-ils changé d'avis et que vous devez donc rembourser la commande. Ainsi, vous prendriez le numéro de commande que votre client vous a donné dans son SMS de confirmation et l'entreriez dans la barre de recherche. Ainsi, par exemple, je vais rechercher une commande spécifique. Alors, cliquez simplement dans la barre de recherche à gauche et entrez le numéro. J'utiliserai 1-7-7-6-1-6-0-2 comme exemple. Maintenant, ce que je veux faire, c'est accepter la commande que j'ai passée plus tôt lors de la démonstration du flux de commandes client. Pour ce faire, je clique sur « Vue en direct ». Après avoir cliqué dessus, vous entendrez un carillon chaque fois que les commandes sont passées et attendent d'être acceptées. Cela indique que la commande est en attente. Le carillon est très distinct et devrait être facile pour votre personnel d'entendre tant que le volume de votre appareil est fort, augmenté. Vous verrez maintenant vos commandes en attente sur le côté gauche de l'écran. Lorsque vous cliquez sur une commande en attente, au centre de l'écran, vous pouvez voir les articles commandés par les clients. En bas de l'écran, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser la commande. Et vers le haut, vous pouvez voir quand la commande a été demandée. Le client a demandé dès que possible pour sa vente à emporter. Cependant, si vous avez besoin de plus de temps pour accepter la commande, vous pouvez cliquer sur l'une des cases vertes en bas de la page pour informer le client lorsque sa commande sera prête. Je vais sélectionner 30 minutes supplémentaires après l'ordre de commande demandée. Lorsque je clique hors de la vue en direct, vous verrez maintenant que la commande a été acceptée 30 minutes après avoir été demandée. Et cela a été confirmé au client. Maintenant, ce que je vais montrer, c'est comment voir la commande après qu'elle a été acceptée avec toutes les autres commandes que vous pourriez avoir. En haut de la page, vous pouvez voir la confirmation de commande et vous pourrez voir si elle a été acceptée pour la vente à emporter ou la livraison, le numéro de commande et le nom du client. En dessous, vous pourrez voir le temps accepté et demandé. Comme vous vous en souvenez, nous avons choisi d'ajouter 30 minutes à l'emporter, à l'heure, lors de l'acceptation de la commande, afin que cela ait été mis à jour. Vous pouvez également voir le coût total de la commande sous montant, paiement, et si la commande a été payée ou non. Si elle indique non payée, cela signifie que le client a choisi de payer comptant lors de la récupération ou de la livraison. Vous pourrez également voir le numéro de téléphone du client, ce qui est idéal pour vous car avec Flipdish, vous gérez toutes vos informations client. En dessous, vous pourrez voir tous les autres détails liés à la commande, comme les bons de livraison, les remises appliquées et les pourboires.
Ok, disons que vous devez rembourser une partie de cette commande car vous n'avez pas la garniture supplémentaire d'anchois. Votre plateforme de commande Flipdish vous permet de prendre ces décisions en temps réel et vous permet de personnaliser les montants de vos remboursements. Donc, pour traiter ce remboursement, ce que je vais faire est de cliquer sur remboursement dans le coin en bas à droite. Puis j'ai la possibilité de rembourser un montant spécifique ou d'annuler et de rembourser l'ensemble de la commande. Comme vous pouvez le voir dans la boîte contextuelle du centre de l'écran. Maintenant, parce que ce n'est qu'une garniture, je ne veux pas annuler complètement la commande, mais simplement rembourser le client pour les anchois. Je tape simplement le montant de la garniture supplémentaire et dans ce cas, j'ai décidé de rembourser au client 50 centimes supplémentaires pour la gêne occasionnée. Je vais maintenant entrer 1,95€ et cliquer sur remboursement. Ceci est maintenant traité, comme vous pouvez le voir vers le bas de la page en texte rouge. Ici, vous pouvez également voir la valeur de la commande avant le remboursement et la nouvelle valeur après le remboursement qui est affichée comme le total en bas de la page. Votre client recevra également une notification automatisée par SMS détaillant le montant remboursé et le temps qu'il faudra pour que ce remboursement apparaisse sur son compte. Ceci est important car cela définit les attentes des clients et les empêche de se retourner pour venir dans votre magasin et vous demander si vous avez traité le remboursement ou non. N'oubliez pas car, comme un SMS est envoyé, soyez conscient de l'heure à laquelle vous remboursez les commandes. Trop tôt ou trop tard le soir et vous risquez d'ennuyer vos clients. Vous pouvez également choisir de rembourser la totalité de la commande si par exemple le client vous a appelé pour annuler. Pour ce faire, cliquez à nouveau sur remboursement, puis cliquez sur annuler et rembourser. Comme vous pouvez le voir, il vous montre maintenant le total remboursé en texte rouge et en dessous, la valeur de la nouvelle commande est 0. Ensuite, je voudrais vous montrer comment vous pouvez modifier les heures d'ouverture de votre boutique. Cliquez sur « Accueil » pour revenir à votre page d'accueil. Puis, cliquez sur la roue dentée en haut à droite du graphique des ventes, ce qui vous amène à tous les paramètres de votre boutique. Ensuite, choisissez « Heures d'ouverture ». Ici, vous pouvez modifier les heures d'ouverture de votre magasin. Vous pouvez voir que nous l'avons conçu de manière très intuitive, avec les jours de la semaine allant du lundi au dimanche, et en répartissant également les heures entre la vente à emporter ou la livraison. Pour modifier les heures, cliquez simplement sur le jour que vous souhaitez modifier et saisissez votre mise à jour. Je vais donc ici réduire mes heures de vente à emporter le lundi d'une heure de 7h à 22h30 à 7h à 21h30. Tout est enregistré automatiquement pour vous au fur et à mesure. Vous n'avez donc pas à vous soucier de cliquer sur enregistrer ou sur tout autre bouton. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer n'importe où ailleurs sur la page une fois que vous avez effectué la mise à jour. Je peux modifier le mardi de la même manière en tapant l'heure manuellement ou pour vous faciliter encore plus la tâche, je peux copier et coller l'heure du lundi à celle du mardi. Encore une fois, vous pourrez voir ces modifications enregistrées en milieu du bas de l'écran en bas dans une boîte verte. Je peux avoir des heures différentes pour la livraison et la vente à emporter. Par exemple, je peux ouvrir le mardi pour la livraison en même temps que la vente à emporter, afin que je puisse simplement copier et coller les heures de la vente à emporter dans la section de livraison et c'est fait. Vous trouverez peut-être que vos mardis sont très calmes et vous décidez donc de clôturer les livraisons ce jour-là. Pour fermer le magasin, c'est simplement fermer dans la section horaire. Donc, pas besoin de vous soucier de déterminer des heures spécifiques, tapez simplement le mot fermé. Alors maintenant, j'ai changé les heures d'ouverture de mon magasin. Supposons que vous souhaitiez fermer temporairement pendant un quart d'heure de travail
chargé ou que vous souhaitiez simplement modifier les heures pour un jour spécifique. Je vous montrerai comment procéder ensuite. Nous retournons à la page d'accueil. Pour apporter des modifications uniquement à certains horaires ou certains jours, tout ce que nous avons à faire est de revenir à la page d'accueil et d'utiliser le raccourci « Remplacement des heures » sous le graphique des ventes. Ou alors, maintenant, vous aurez la possibilité de fermer temporairement le magasin pour la vente à emporter, pour la livraison ou pour les deux. Ceci est vraiment utile si vous êtes très occupé au milieu du service et que vous avez juste besoin d'un peu de répit pour ne pas être attrapé par votre commande. Je vais donc fermer temporairement ma boutique pour la vente à emporter pendant 15 minutes. Cliquez sur la vente à emporter dans la section de fermeture rapide. La livraison peut être fermée séparément ou les deux en même temps. Nous avons déjà choisi de fermer la vente à emporter. Ici, vous verrez quelques intervalles de temps courants répertoriés pour vous faciliter la vie. Et nous avons spécifiquement choisi ces heures en fonction des commentaires de nos clients sur ce qu'ils devaient utiliser le plus fréquemment. Si vous fermez votre boutique pendant plus de 15 minutes, vous voudrez peut-être être en mesure d'accepter les précommandes pendant cette période, afin que les clients puissent créer des commandes pour la prochaine heure de réouverture. Autoriser les précommandes signifie que le client peut commander pour la vente à emporter, mais pas pendant le créneau horaire pour lequel vous êtes fermé. Il peut passer une commande ultérieurement. Ainsi, une commande entrera lorsque vous êtes fermé, mais ce sera pour un moment où vous serez ouvert. Donc, pour fermer la vente à emporter pendant 15 minutes, mais autoriser les précommandes pendant cette période, cochez d'abord la case en bas. Autoriser les précommandes pendant que le magasin est fermé. Puis, choisissez la durée pendant laquelle vous serez fermé. Mais pour l'instant, nous allons juste fermer pendant 15 minutes en cliquant simplement sur l'option 15 minutes. Vous verrez qu'une bannière rose est apparue en haut de l'écran, confirmant la modification que vous venez d'effectuer. Elle détaille le magasin que vous avez fermé, ceci est important si vous avez plus d'un magasin, que vous avez fermé la vente à emporter ou la livraison, et quand le magasin rouvrira pour que vos clients commandent à nouveau en ligne, dans ce cas dans 15 minutes. Si vous êtes content d'avoir juste besoin de 15 minutes et c'est tout, aucune autre action n'est nécessaire de votre part. Le magasin rouvrira automatiquement une fois les 15 minutes écoulées. Vous n'avez pas besoin de revenir et de faire autre chose. Si vous êtes rattrapé plus tôt que vous ne le pensez, peut-être après 10 minutes, vous pouvez supprimer le remplaçant en cliquant sur « Rouvrir » puis sur « Supprimer ». Votre boutique est maintenant de nouveau en ligne pour que votre client puisse passer commande. N'oubliez pas que si vous utilisez un terminal Flipdish, éteindre votre terminal ne mettra pas votre boutique hors ligne. Vous devez utiliser cette fonction remplacement des heures, ici ou sur votre portail, pour ce faire. Une autre chose que vous voudrez peut-être faire est de modifier vos heures d'ouverture pour un jour spécifique. Par exemple, vous avez peut-être une formation de personnel ou un jour férié. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le calendrier ci-dessous. Cliquez sur la date pour laquelle vous souhaitez effectuer le changement. Et vous avez maintenant la possibilité d'ouvrir ou de fermer le magasin pendant différentes heures à cette date. Et vous pouvez modifier cela pour la vente à emporter, pour la livraison ou les deux. Et si vous cliquez sur la date, vous obtiendrez une option pour modifier cette date sur un calendrier contextuel. Ici, je vais mettre à jour les heures de vente à emporter et de livraison aujourd'hui pour être de 10h à 22h. Cela signifie que le magasin n'acceptera pas de commande pendant cette période. Vous avez vu également la possibilité d'autoriser les précommandes, ce qui, comme nous l'avons vu, signifie que le client ne peut pas commander pour la vente à emporter ou la livraison pendant la plage horaire que nous venons de sélectionner.
mais il peut passer une commande en dehors de cette fenêtre. Ainsi, une commande peut entrer lorsque vous êtes fermé, mais ce sera pour un moment où vous êtes ouvert. Je vais donc l'activer pour la vente à emporter et la livraison en cochant les deux cases. Pour terminer, appuyez simplement sur le magasin de fermeture en bas à droite de cette fenêtre contextuelle pour appliquer ces heures. Sur le calendrier, vous verrez maintenant les modifications que j'ai effectuées surlignées en rouge. Pour supprimer le remplacement, cliquez sur « Rouvrir » dans la bannière rose, puis sur « Supprimer ». Désormais, votre boutique n'apparaîtra plus comme fermée ce jour-là. Parfait, vous savez maintenant comment fermer temporairement votre boutique et comment modifier les heures d'ouverture pour des jours spécifiques. Ensuite, je voudrais vous montrer comment vous pouvez faire des changements de menu simples. Pour ce faire, revenez sur votre page d'accueil, puis cliquez sur le bouton de menu directement sous le graphique des ventes. Toutes les modifications que vous apportez à votre menu ici seront automatiquement mises à jour en temps réel sur votre menu en ligne pour vos clients. Afin de pouvoir apporter des modifications à votre menu, cela est contrôlé par les paramètres d'autorisation. Donc, si vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit que je vous montre aujourd'hui, veuillez contacter notre équipe de support client sur help@flipdish.com pour mettre à jour vos autorisations. Les onglets en haut de la page. Cela commence par des pizzas traditionnelles et se termine par des pommes. Si vous cliquez dessus, cela vous amènera directement à cette section pour vous épargner le défilement. Donc, lorsque je clique sur les offres de repas, cela m'amène directement à la section des offres de repas. Tout ce qui se trouve dans un grand rectangle est une section de menu. Les éléments en dessous, en blanc, sont des éléments de menu individuels. Donc, certaines modifications que vous voudrez peut-être apporter à votre menu en ligne incluent. Premièrement, modifier la description d'un élément de menu. Par exemple, si je souhaite changer le nom de la pizza classique Margherita de mon menu en classique Margherita, je peux cliquer sur le texte et vous pouvez voir qu'il y a maintenant une boîte noire autour du texte indiquant qu'il s'agit du mode d'édition. Cela signifie qu'il me permettra de modifier ce qui a été précédemment entré. Ensuite, vous tapez simplement votre mise à jour et cliquez en dehors de la boîte noire pour la mettre à jour lorsque vous aurez terminé. Vous pouvez également modifier le prix d'un élément de menu. Alors cliquez sur le prix, vous verrez à nouveau qu'il est devenu modifiable car une boîte noire est apparue autour de lui et tapez simplement le nouveau prix. Ici, je vais changer ce 12,95€ plutôt en 11,95€ et tout ce que j'ai à faire c'est de cliquer en dehors de la boîte noire pour enregistrer ce changement. Juste pour vous rappeler que j'ai maintenant changé le nom de l'article et le prix. Maintenant, si nous allons dans le menu en ligne que nous utilisions précédemment et actualisons la page, vous verrez que ces changements sont maintenant en ligne pour tous vos clients. Il est vraiment facile pour vous de modifier vous-même les menus en temps réel. Et c'est beaucoup plus rapide que de contacter nos équipes de support ou de menu pour le faire à votre place, ce qui peut prendre quelques jours pour traiter le changement. Nous avons conçu cette fonctionnalité car nous savons que nos clients doivent apporter des modifications en temps réel au menu, car le stock et la demande peuvent changer rapidement. Vous souhaiterez peut-être ajouter une nouvelle section de menu ou un nouvel élément. Faites défiler jusqu'en bas de la page pour ajouter une toute nouvelle section. Ici, je vais ajouter Churros en tant que section. Je clique donc sur Nouveau titre de section, je saisis Churros, ajoute une description si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire, puis je clique sur Ajouter une section. Vous verrez maintenant que j'ai une nouvelle section de menu. Il serait évidemment insensé pour les clients d'avoir une nouvelle section de menu sans éléments de menu. Alors, assurez-vous d'y ajouter des éléments de menu
Donc maintenant, je vais ajouter un nouvel élément de menu. Cliquez sur la flèche vers le bas, à côté de votre nouvelle section, et vous verrez nouveau titre d'article. Ici, vous pouvez taper le nom de l'article avec une description de l'article et un prix. Ici, j'ajoute un chourreau. La description est servie avec du chocolat. Puis je clique simplement sur ajouter un article. J'ai maintenant une nouvelle section de menu appelée churros et un nouveau élément de menu appelé churros. Vous pouvez également dupliquer des éléments et des sections. Alors, cliquez sur les trois points verticaux pour éditer. Choisissez dupliquer l'élément. Et maintenant, vous aurez une copie de cet élément de menu. Ici, je vais renommer en churros à la vanille. Ceci est utile car vous pouvez passer beaucoup de temps à ajouter des ensembles d'options spécifiques comme des garnitures ou des sauces ou des ventes incitatives à un élément et vous n'avez pas besoin de les recréer pour chaque élément de menu de section. Vous pouvez simplement le dupliquer et renommer l'article. Vous pouvez également supprimer des éléments qui ne sont plus disponibles dans votre menu. Cliquez à nouveau sur les trois points verticaux pour éditer et choisissez « Supprimer l'élément ». Comme cela, supprimera l'élément définitivement de votre menu et vous montrera une invitation pour revérifier que c'est bien ce que vous voulez faire. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément ? Cela ne peut pas être annulé. Si oui, vous êtes sûr, cliquez sur « OK » et cet élément a été définitivement supprimé. Vous pouvez également dupliquer et supprimer des sections de menu entières en utilisant les trois points verticaux. Une autre chose que vous pouvez faire dans votre éditeur de menu est de masquer les éléments lorsqu'ils ne sont pas disponibles. Alors, disons que je découvre que je n'ai pas les ingrédients pour la pizza classique margherita pour l'heure suivante. J'ai cliqué sur les trois points verticaux et vous verrez que j'ai un certain nombre d'options pour masquer l'élément. Ces choix par défaut sont basés sur les commentaires des clients sur ce qu'ils utilisent le plus fréquemment. Comme vous pouvez le voir, il existe une option pour cacher pendant une heure ou trois heures. Ceci est utile si vous ne voulez pas qu'un élément s'affiche au milieu d'un service occupé. Par exemple, c'est peut-être un élément très chronophage à fabriquer. Il existe également une option pour cacher jusqu'à demain. Cela peut être lorsque vous êtes en rupture de stock et que vous attendez d'en faire plus ou qu'une livraison arrive. Masquer pendant une semaine, cela peut se produire lorsque vous manquez de quelque chose mais vous ne savez pas quand la livraison du fournisseur arrive. Enfin, masquer indéfiniment, c'est comme une suppression irréversible. Ceci est utile lorsque vous avez peut-être créé un menu spécial pour un jour férié. Évidemment, lorsque le jour férié est terminé, vous ne voulez plus que ce spécial apparaisse dans votre menu. Mais peut-être y a-t-il plus d'un jour férié dans l'année. Et ce fut un grand succès, donc vous voulez l'utiliser à nouveau pour le prochain. Ensuite, vous le cacheriez indéfiniment au lieu de le supprimer. De cette façon, il est facilement accessible pour le prochain jour férié. Maintenant que j'ai caché l'élément, vous pouvez voir que la pizza au pepperoni est devenue grisée. Vous pouvez toujours lire la description de l'élément afin de savoir que l'élément existe toujours, mais il est clair qu'il a été masqué. Comme pour la fermeture temporaire du magasin, une fois la période que vous avez choisie écoulée, l'élément de menu réapparaîtra automatiquement. Vous n'avez pas besoin de revenir pour changer quoi que ce soit. Disons que je veux remettre la pizza pepperoni en ligne. Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur les trois points verticaux et de choisir « Afficher dans le menu ». Vous pouvez maintenant voir que l'article n'est plus grisé, ce qui signifie qu'il sera à nouveau affiché dans votre menu en ligne pour que les clients puissent commander. Vous pouvez également le faire pour toute la section d'un menu. Alors, disons que je n'ai plus de churros, ce qui signifie que je n'ai pas besoin d'une section de churros. Plutôt que de masquer chaque élément individuellement, je peux aller dans la section du menu, en gris,
appuyer sur les trois points verticaux et choisir masquer pour le temps dont j'ai besoin. Une autre chose que vous voudrez peut-être faire est d'ajouter des images à votre menu. Comme vous le savez, les gens achètent de la nourriture avec leurs yeux. Donc, c'est un moyen très important de mettre en valeur vos meilleures ventes, de nouveaux plats ou simplement de rendre votre menu en ligne plus attrayant en général. Alors, ajoutons une image à un article. Je clique donc sur les trois points verticaux et choisis « Ajouter une image ». Ensuite, comme avec n'importe quel logiciel, cela me donnera la possibilité de faire glisser une image ou choisir une image dans mes fichiers. Nous vous recommandons vivement d'ajouter des images, car certains de nos meilleurs clients obtiennent ainsi d'excellents résultats. Maintenant, disons que je voulais ajouter des options supplémentaires pour mes clients lors de la commande d'un churro pour aider à augmenter la valeur de la commande. C'est vraiment simple. Tout ce que je fais est de cliquer sur les options, puis d'ajouter un nom de jeu d'options. Je peux ensuite ajouter mes articles ci-dessous et ajouter le coût supplémentaire. Je vais laisser le sucre sans prix car je veux que ce soit une option gratuite pour mes clients. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, tout est enregistré automatiquement au fur et à mesure. Examinons maintenant les consignes de définition du nombre et d'articles que le client peut sélectionner. Notre système est vraiment personnalisable. Vous trouverez donc certainement une option qui répond à vos besoins. La première option est donc un article facultatif, ce qui signifie que le client ne peut avoir qu'un seul article supplémentaire au maximum, mais n'a pas à choisir d'article s'il ne le souhaite pas. La deuxième option est n'importe quel nombre facultatif, ce qui signifie que le client peut en choisir autant qu'il le souhaite, mais peut toujours choisir de n'en avoir aucun. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un élément requis. Cela signifie que le client doit choisir au moins une option. Ensuite, vous pouvez voir n'importe quel nombre requis. Cela signifie que le client peut en ajouter autant qu'il le souhaite, mais doit en choisir au moins un. Et enfin, nous avons l'autre option qui vous permet de personnaliser entièrement le choix des clients à un nombre minimum et maximum d'articles, si nos autres options ne vous conviennent pas. Donc ici, je vais faire le nombre minimum d'articles que le client prend comme 2 et le maximum comme 3. Ainsi, le client peut choisir pas moins de 2 mais pas plus de 3. Il existe également des options pour ajouter d'autres couches d'options pour le client. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Suivant » et cela vous permettra d'ajouter une autre couche d'options. Et je vais vous montrer comment elles sont mises en œuvre maintenant en utilisant une pizza comme exemple. Si vous souhaitez supprimer une option d'article supplémentaire, cliquez simplement sur l'icône de la corbeille à côté du prix de l'article. Une fois que vous aurez terminé d'ajouter des options, cliquez simplement sur le menu et cela vous ramènera au menu sur lequel vous avez travaillé. Permettez-moi maintenant de vous montrer comment plusieurs niveaux d'options peuvent fonctionner dans votre menu. Par exemple ici, lorsque je clique sur la pizza classique Margherita, je peux voir que le premier niveau d'options me permet de sélectionner la taille de la pizza. La deuxième couche me permet de supprimer un ingrédient que mes clients peuvent ne pas vouloir. Puis la couche suivante me permet d'ajouter des garnitures à la pizza. Puis, lorsque j'ai terminé, je peux simplement cliquer sur le menu pour revenir à la page d'édition principale. Alors maintenant, je vous ai montré quelques changements de menu simples que vous pouvez faire vous-même sans avoir à nous contacter ici à Flipdish. Cependant, si vous avez des changements de menu plus complexes à faire, vous pouvez toujours nous joindre à menu@flipdish.com. Il s'agit d'un service gratuit que nous fournissons. Il n'y a donc pas de frais supplémentaires pour cette aide. Notre équipe menu serait plus qu'heureuse d'apporter des modifications plus complexes pour vous. Voyons maintenant comment permettre à vos clients de laisser des notes lors de la commande en ligne. Cela peut être très important pour pouvoir capturer les demandes spécifiques des clients ou les informations sur les allergènes.
Cela donne également au client le sentiment que vous êtes prêt à faire un effort supplémentaire pour lui en lui permettant de personnaliser son expérience de commande. Il est très simple de désactiver cette fonctionnalité. Commençons par aller sur la page d'accueil de votre portail Flipdish. Nous cliquons ensuite sur la roue dentée au-dessus du graphique des ventes pour afficher les paramètres de votre magasin. Cliquez ensuite sur « Paramètres de commande ». La deuxième option est « Autoriser les notes clients ». Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà activé, mais vous pouvez très facilement l'éteindre en cliquant sur le bouton vert. Maintenant qu'il est activé, lorsque je retourne à la page de commande de mes restaurants, vous pouvez voir sous le panier les notes du chef que les clients peuvent utiliser. Voyons maintenant comment vous pouvez créer et modifier des zones de livraison pour votre magasin. Encore une fois, revenons aux paramètres de votre boutique en cliquant sur la roue dentée dans le coin droit au-dessus du graphique des ventes sur votre page d'accueil. Et cette fois, nous choisirons les paramètres de livraison. Vous pouvez maintenant voir une carte où vous pouvez créer et modifier vos zones de livraison. Si je veux créer une zone de livraison, je viens d'appuyer sur le cercle rose avec l'icône « plus » et il va vous demander des informations pour configurer la zone. Le système demandera la valeur minimale de la commande à livrer dans cette zone particulière. Il vous demandera également de saisir des frais de livraison pour qu'un chauffeur puisse y livrer. Le système vous offre alors l'option de deux types de zones de livraison différents. Forme de cercle, il s'agit d'un rayon autour de votre magasin, par exemple 1, 2, 3 km autour de votre magasin, ou une forme de polygone, qui est l'endroit où vous pouvez dessiner une forme très spécifique qui inclura ou exclura des zones spécifiques. Commençons par une zone de livraison polygonale. Je vais choisir la valeur minimum de commande pour livrer dans cette zone à 10 € et nous allons faire les frais de livraison de 5 €. Ensuite, tout ce que j'ai à faire est de cliquer sur « Ajouter une zone ». Vous pouvez voir maintenant que nous sommes en mesure de modifier cette zone de forme carrée telle qu'elle est mise en surbrillance à droite de l'écran en gris. Et vous pouvez également voir des points blancs autour de la forme que nous pouvons actuellement modifier. Si je souhaite modifier l'une des autres zones de livraison, je peux simplement cliquer sur la zone dans la case située à droite de la page et apporter rapidement des modifications à la valeur de commande minimale pour cette zone ou aux frais de livraison. Comme étant capable d'accéder à la carte et de changer le rayon et la forme de la zone. Comme vous pouvez le voir, toutes les modifications que j'apporte sont enregistrées automatiquement. Je vais maintenant modifier la zone de livraison la plus récente que j'ai créée. Peut-être ai-je décidé que je ne voulais pas que mes zones de livraison touchent l'eau. En cliquant sur les points blancs, j'ai la possibilité de les faire glisser n'importe où sur la carte. Cela vous permet de personnaliser très facilement vos zones de livraison. Vous pouvez maintenant voir que j'ai réussi à modifier la zone de livraison en quelques secondes. Et il y a également une icône de flèche d'annulation grise, ici, au cas où vous apporteriez une modification qui ne vous satisferait pas. Il se peut que je veuille désactiver une zone, car peut-être que je n'y livre que certains jours de la semaine. Tout ce que j'ai à faire est d'aller à nouveau sur les trois points verticaux pour le modifier, et je clique sur « Désactiver ». Si vous désactivez une zone, vous verrez que la zone de livraison devient grise, plutôt que la couleur d'origine. Et dans la boîte, vous verrez qu'il y a une icône « œil caché » à côté de cette zone. Cela signifie que les clients de cette zone ne peuvent actuellement pas commander pour livraison. Une fois que vous êtes prêt à l'activer, cliquez à nouveau sur les trois points verticaux et cliquez sur « Activer ». Vous pouvez également supprimer complètement les zones de livraison si vous avez décidé de supprimer certaines zones de votre rayon de livraison. Pour ce faire, cliquez sur la zone, allez dans la case, vous verrez en gris lorsqu'elle est modifiable, cliquez sur les trois points verticaux, puis sélectionnez « Supprimer ». Comme cela supprimera complètement la zone,
comme pour la suppression d'un élément de menu, il va vous montrer une invitation pour vérifier que c'est bien ce que vous souhaitez faire. Vous verrez « Appuyer pour supprimer » supprimera définitivement la zone 6. Si vous êtes satisfait que ce soit correct, cliquez sur « Supprimer » et maintenant cette zone a été supprimée pour votre boutique. Vous pouvez maintenant voir comment créer, modifier, désactiver et supprimer vos zones de livraison. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment accéder à votre rapport de fin de journée. Encore une fois, nous pouvons utiliser le raccourci sous le graphique des ventes sur la page d'accueil de votre portail Philippe Dish. Ce rapport présente donc un résumé de vos ventes en ligne à un jour donné. Vous pouvez utiliser le calendrier ici pour modifier le jour que vous souhaitez regarder, mais il sera toujours par défaut la date du jour. Si vous possédez plusieurs comptes, vous pouvez également sélectionner le magasin que vous souhaitez consulter. Ce rapport est présenté de manière très intuitive, vous pouvez donc voir en haut ici comment les commandes ont été payées, argent comptant ou payé en ligne ou le total des deux. Ensuite, sur le côté, il montre le nombre de commandes et leur valeur. Il divise ensuite cela en vente à emporter et livraison. Ainsi, vous pouvez voir combien de commandes en espèces vous avez reçues pour la vente à emporter ou la valeur des commandes de livraison que vous avez reçues ce jour-là. De nombreux clients utilisent le rapport de fin de journée pour équilibrer leur caisse à la fin de la journée. C'est un moyen très simple de comprendre votre tendance de vente ou de voir vos commandes en ligne en hausse depuis ce jour, la semaine dernière. Alors maintenant, j'espère vous avoir donné une bonne compréhension de votre rapport de fin de journée et comment y accéder. Jetons un coup d'œil au paiement Flipdish, car il est important de comprendre comment vos clients peuvent payer en ligne. Vos clients auront la possibilité de payer avec la carte et ceci est activé par défaut. De même que Google Pay et Apple Pay sont disponibles par défaut si vous utilisez un site web construit par Flipdish. Si vous utilisez votre propre site web sur lequel vous ajoutez la commande en ligne Flipdish comme option de commande en ligne, Google Pay sera activé par défaut. Pour Apple Pay, vous devrez nous contacter pour vous aider à le configurer. Contactez-nous sur help@flipdish.com. Vous pouvez activer ou désactiver les paiements en espèces via votre portail Flipdish. Nous vous recommandons de les conserver si vous le pouvez, car il est bon de donner aux clients le choix de la façon dont ils souhaitent payer. Mais si vous devez les désactiver pour une raison quelconque, vous avez la possibilité de le faire directement dans les paramètres du magasin. Auparavant, nous avons discuté du fait que vos clients ont le choix du mode de paiement de leur commande en ligne. Ainsi, dans cet exemple, vous pouvez voir que ce client pourrait payer en espèces et en carte. Et vous verrez qu'il y a deux cartes enregistrées sur ce compte, qui est le mien, pour rendre le processus de paiement encore plus facile pour vos clients. Les cartes enregistrées restent. Et Google Pay et Apple Pay sont également des options. Quel que soit le mode de paiement que je choisis en tant que client, cela sera mis en évidence dans le bouton rouge en bas de l'écran afin que je sois clair sur ce que j'ai choisi. Vous pouvez le voir reflété sur le bouton rouge. Cela permet d'éviter toute confusion de la part de votre client sur la manière dont il choisit de payer. En ce qui concerne nos paiements à votre boutique, la première étape est de vous assurer que vous nous avez communiqué vos coordonnées bancaires. Sinon, vous pouvez les ajouter via le portail Flipdish ou vous pouvez les envoyer à notre équipe de support client pour les ajouter pour vous via help@flipdish.com. Les paiements sont effectués dans votre magasin tous les lundis par virement bancaire, sauf s'il s'agit d'un jour férié irlandais, car ils seront alors payés le mardi. Pour tous ceux qui nous regardent en France, les paiements sont effectués une fois que votre solde a atteint plus de 30 euros. Une fois que vous êtes également configuré avec une connexion au portail,
vous recevrez des factures hebdomadaires et des rapports de vente par email. Votre succès est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi, à partir de notre travail, avec des milliers de clients à travers le monde, nous avons créé cette liste de contrôle de commandes en ligne en 8 étapes pour vous aider à démarrer dès le premier jour de mise en ligne avec Flipdish. Premièrement, formez votre personnel à informer vos clients de vos commandes en ligne. Vos collaborateurs s'adressent quotidiennement à vos clients, que ce soit en magasin, au téléphone ou à vos livreurs. C'est un moyen souvent négligé, mais un moyen très important d'augmenter vos commandes en ligne si vous pouvez amener votre personnel à informer vos clients de votre nouvelle option de commande directe. Cela peut être à la fin d'un appel téléphonique en mentionnant tout simplement « Hey, saviez-vous que vous pouvez maintenant commander en ligne ? Voici l'adresse du site web. » Deuxièmement, acceptez toutes vos commandes en ligne pour développer votre entreprise. Nos meilleurs clients acceptent entre 98 et 99% de leurs commandes. Je sais qu'il est très facile de refuser une commande en ligne. Il s'agit simplement d'un reçu provenant de la machine. Mais rappelez-vous qu'il y a un humain affamé sur la fin de cette commande qui a choisi de commander chez vous. Si vous refusez sa commande, il n'essaiera probablement pas de passer une nouvelle commande. En particulier s'il s'agit d'un premier client où il peut passer commande auprès d'un concurrent. Je pense toujours de cette façon. Si un client entre dans votre magasin, si vous ne lui avez pas dit que vous êtes trop occupé pour le servir, vous ne devriez pas non plus le dire à vos clients en ligne. Troisièmement, utilisez vos outils marketing Flipdish. J'ai donc évoqué précédemment le programme de fidélisation de la clientèle. Vous avez également accès à un programme de fidélisation sur Flipdish. Vous pouvez offrir aux clients une réduction sur leur première commande en ligne. Et vous pouvez utiliser le marketing par téléphone de Flipdish. Ces fonctionnalités vous aideront à attirer des clients, à les amener à passer commande plus souvent. Si vous ne les utilisez pas actuellement, veuillez nous contacter pour les configurer. Ensuite, concevez un bon menu. Nous avons donc parlé plutôt de l'importance d'ajouter des images à votre menu en ligne. Cela serait pertinent également de vous assurer que vous aviez bien paramétrer votre menu avec les meilleures ventes en haut et que votre menu, votre carte hors ligne est également disponible sur votre site. Par exemple, il ne sert à rien d'être un café et de ne pas proposer de café en ligne. Cela limiterait vos ventes en ligne. Et de proposer des offres de repas et des formules si vous le pouvez. Et cela ajoutera des ventes incitatives à votre menu pour encourager une dépense moyenne plus élevée. Point 5. Utilisez le marketing en magasin pour créer une notoriété. Ainsi, lorsque vous vous inscrivez avec Flipdish, vous recevez un kit marketing contenant un autocollant que vous pouvez afficher dans votre magasin, ainsi que des dépliants que vous pouvez distribuer, ou également les mettre dans les sacs de commande lorsqu'ils quittent le magasin. En particulier, ceux provenant d'autres plateformes de commande. Et comme les visites sans rendez-vous, les commandes téléphoniques ou les portails alimentaires, afin que vous puissiez informer vos clients de votre propre offre de commande directe. Gérez votre présence en ligne pour générer votre commande en ligne. Il ne sert à rien d'avoir un site web si personne ne sait qu'il existe. C'est donc que nous pouvons vous aider à optimiser votre page Google et votre page de réseaux sociaux pour vous aider à être trouvé en ligne. 7. Utilisez le marketing hors ligne. Il peut s'agir des flyers, des autocollants dont nous avons parlé, ou de la signalisation extérieure, ou de la signalisation sur vos véhicules de livraison, des brochures, des menus, de la publicité locale, dans les journaux ou à la radio. 8. Fixez des objectifs. Établissez un plan. Mesurez le succès. Des actions aléatoires conduisent à des résultats aléatoires. Assurez-vous d'avoir réfléchi à ce à quoi ressemble le succès pour vous. Est-ce que X commandes par jour, X revenus par mois, ou réduire votre dépendance à d'autres canaux de vente comme les portails agrégateurs ? Pensez-y. Informez votre responsable de la réussite client Flipdish pour qu'il puisse vous aider à créer un plan de réussite
pour atteindre cet objectif. Nous savons donc que, lorsque quelque chose est nouveau, vous aurez des questions à ce sujet. Donc, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez obtenir de l'aide de notre part chez Flipdish de différentes manières. Premièrement, vous pouvez utiliser le centre d'aide Flipdish. Vous trouverez ici des questions courantes et des guides pratiques. Nous avons de nombreuses instructions étape par étape et vous pourrez rechercher les réponses à différentes questions. Par exemple, vous pouvez taper Flipdish Terminal et vous verrez tous les articles d'aide relatifs aux terminaux Flipdish. Nous avons également des tutoriels vidéo. Nous savons donc que beaucoup de gens aiment apprendre visuellement, nous avons donc créé des tutoriels vidéo. Tout comme aujourd'hui, ils sont également très pratiques car vous pouvez y revenir et même les mettre en pause lorsque vous essayez de faire quelque chose. Il y a une excellente série sur le portail Flipdish, sur la chaîne YouTube Flipdish, que je vous recommande vivement de consulter. Et parfois, nous savons que vous voulez simplement parler à un humain. Pas de problème, nous sommes là pour vous aider. Nous avons une équipe de support client dédiée qui reste disponible 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 9h à 22h, et les samedis, dimanches et jours fériés de midi à 22h. Vous trouverez leur numéro sur votre terminal Flipdish ou si vous consultez le centre d'aide Flipdish. Vous pouvez également leur envoyer un email à help@flipdish.com ou faire un chat en direct via le portail Flipdish. J'ai mentionné précédemment que nous avons une équipe de menu dédiée. Vous pouvez la joindre en envoyant un email à menu@flipdish.com afin qu'ils puissent vous aider si vous avez des changements de menu plus détaillés ou complexes pour lesquels vous avez besoin d'aide. Et bien sûr, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo de formation aujourd'hui et d'avoir pris le temps d'en apprendre davantage sur votre produit. Veuillez nous contacter pour toute question ou tout commentaire que vous pourriez avoir sur cette formation. Merci encore et nous sommes vraiment impatients de travailler avec vous.